Et là, je fais un... Faut enregistrer en fait parce que du coup je peux pas faire un direct, je sais pas pourquoi ma future me dit je peux pas faire un direct. Coucou les amours, j'espère que vous allez bien mes amours. Alors juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit coucou et pour vous dire on est quel jour aujourd'hui, les lundis. Du coup si tout va bien on va faire une vidéo donc le mercredi, non pas le mercredi, le vendredi, voilà, pour demander votre avis. Donc du coup je fais cette petite annonce pour vous dire d'abord comme je vais voyager bientôt en fait, aller dans le pays chaud. Donc on va faire une vidéo en fait pour savoir quels produits utiliser, quel genre de maquillage on va utiliser pour les pays chauds, vu que je vais au Niger. Donc c'est chez moi, je ne sais pas combien de degrés je vais trouver là-bas. Du coup, il faut que je demande à mes parents qui sont au Niger, c'est combien de degrés actuellement, je n'ai aucune idée. Du coup, on va savoir, vous savez que les couleurs qui sont actuellement à la mode, c'est les fluos, tous les fluos, les jaunes fluos, les oranges, je sais pas moi, le vert, le bleu, mais tout ce qui est fluo, attention, comment dirais-je, il faut toujours savoir la différence entre les fluos et les couleurs pastel. Souvent, on arrive à penser que les pastels et les fluos, bon, ils se ressemblent un peu, non, pas vraiment. Et en fait, les fluos, c'est pas trop foncé non plus, pas trop. En fait, ils sont un peu au milieu de tout ça. Et du coup, pas trop rouge-rouge, pas trop orange-orange. Et pas trop pastel non plus, ça veut dire un peu transparent non plus, mais flashant, pas foncé non plus. Donc, c'est pour ça que ça peut s'attirer un peu vers les couleurs pastel. Donc, du coup, on va penser à savoir quelles sont les couleurs qu'il faut utiliser. Donc voilà, surtout quand c'est les pays chauds, les soleils. Donc du coup, quand on va aller au soleil, il faut savoir les couleurs que vous utilisez pour le soleil. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Et je vais faire une petite annonce aussi pour les Nigériennes, pour toutes les Nigériennes. Du coup, cette petite vidéo, déjà, ça peut vous donner une petite idée. Donc sachez que plus vous vous abonnez à la chaîne Bizarre à Marseille, plus vous avez la chance d'obtenir un grand, grand, grand cadeau. Parce que une fois à Niamey au Niger, on va organiser une petite soirée entre filles. Donc, plus vous êtes abonné, je vous serai invité. Donc, mettez hashtag votre nom. Donc, sur une de vidéos que vous allez regarder, mettez hashtag votre nom. Du coup, je vais sélectionner tout ce qu'ils ont mis, tous ceux qui sont abonnés et surtout, 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 tout ce qui ont fait abonner et partager les vidéos à leurs proches. Donc, du coup, voilà, vous allez avoir plus de chances de participer à cette petite cérémonie qu'on va faire tranquille entre copines, entre filles. Vous aurez tout. Si vous voulez faire les mains, si vous voulez faire, vous occupez plutôt des cheveux, plutôt, je préfère qu'on s'occupe du maquillage. Donc, voilà, et on va savoir chaque de peau, qu'est-ce qu'il faut. Surtout au Niger, il fait très 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 chaud. Donc je vous adresse mes soeurs nigériennes, surtout partagez, partagez, partagez entre vos soeurs, vos amis. Et voilà, donc du coup partagez beaucoup cette vidéo parce que ça va leur aider de venir à la petite cérémonie qu'on va faire tous ensemble, qu'on va s'amuser. Et ça va leur permettre, voilà, après je vais vous dire comment assister à la soirée. Donc il faut me contacter un peu. Donc voilà, et du coup je vous dirai comment il faut assister. Du coup, donc abonnez-vous beaucoup et voilà, vous aurez la chance de 1 de savoir quel genre de peau vous avez, de 2 quel genre de maquillage vous pouvez obtenir selon votre âge. Aussi souvent on se trompe, ou on est trop jeune, on fait un maquillage très qu'une veille, ou on a un certain âge et on fait une vidéo vraiment qui me coûte une vidéo. Je suis vraiment en train de faire la vidéo quoi. Alors, où on fait un maquillage qui ne correspond pas du tout, on a l'impression qu'on ressemble à notre fille de 10 ans ou 11 ans. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire tout ça ensemble, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, de toutes les Nigériennes, mais vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, je vais sélectionner, j'ai assez d'espace, hein, j'ai assez de place. Je peux inviter autant, autant, autant de personnes. On sera dans un endroit tranquille, on va faire le maquillage, eux, le gagnant ou la gagnante, je vais bien dire. Les hommes, vous êtes invités si vous voulez bien, pourquoi pas? Parce qu'il y a les hommes qui se maquillent, pourquoi pas?
ou pour voir peut-être pour leurs femmes, en fait, il y a un truc. Du coup, pour les femmes qui ne sont pas là, peut-être pour voir comment on se maquille pour eux, le gagnant ou la gagnante peut repartir avec un produit de son choix. Donc, du coup, le produit de son choix, ça peut être un rouge à lèvres de ouf ou de bonne marque, ou un crayon, ou un fond de teint, ou une poudre, ou je sais pas, un fard à paupières comme celui que j'ai actuellement. Il est très, très, très beau. Je sais pas si la caméra vous permet de le voir. Et la bouche que j'ai, pour vous dire, inutile de penser que c'est une seule couleur, parce que là, il y a une association de quatre couleurs sur ma bouche. Regardez. On va juste penser que c'est un rose, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et si vous dites que je vous dis qu'il n'y a même pas du rose pour avoir cette couleur rose qui est un peu rose clair, un peu rose poudré, mais qui ne contient même pas de couleur. Il y a rose, je veux dire, il n'y a pas de rose. Donc, c'est d'autres couleurs que j'ai utilisées, trois, quatre différents rouges à lèvres, du plus transparent au plus foncé, qui donnent une couleur rose. Bizarre, comme vous pouvez le savoir. Tu peux t'habiller, je suis en train de faire la directe. Le direct, oh là là, je comprends plus français. Tu habilles-toi, sinon on va te voir. Il a tellement chaud, mon mari, en fait, il a levé son haut et du coup. Je sais pas, vous savez, sur les filles, je sais pas, peut-être les hommes, quand on voyage, souvent, ça, avant de voyager, ils se disent, ah, ma femme, elle va un peu loin, elle va me manquer ou quoi, je sais pas. Du coup, on te fait tous les chichis, tu es gâté, on te fait à manger et tout, pour dire que, oh là là, elle va manger. Alors, je vous montre, hein, là, j'avais eu droit à tout à l'heure. Voilà, la table était magnifique, tout était super. J'étais là et à me prêter, je sais pas pourquoi. Je sais pas avoir les mélanges. Et du coup, il y avait une surprise qui m'attendait sur la table. Donc, je crois que c'est mon voyage. Je me suis dit, bon, pendant quelques jours, ma femme ne sera pas là. Du coup, je vais lui faire un truc pour la gâter. Comme ça, quand elle sera pas là, elle va penser, dit qu'elle a un mec adorable. Donc, c'est un peu, vous savez, pour nous avoir tout ça. Hein? C'est ça? Pour nous avoir, c'est pour dire quand je suis chez moi, j'ai ah, mon mari, il était adorable. Pas qu'il était, il est adorable. C'est vrai que c'est pas la première fois que tu me fais à manger, tu me fais pratiquement tout le temps, chérie. C'est vrai, je le reconnais, mais en fait, je veux dire, pour aujourd'hui, c'est carrément, je me retrouve au restaurant 4 étoiles, quoi. Voilà, donc du coup, c'est la différence, c'est la seule différence en fait. Sinon, c'est vrai que tu me fais très souvent à manger. Bon, voilà les filles, en fait, toutes les Nigériennes, vraiment, 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 partagez la vidéo. Je vais vous dire que le vendredi, on va faire une vidéo sur ma page YouTube Bus à Marseille, donnée à tous vos amis, qu'on va essayer de faire une belle, vraiment une belle vidéo avec des couleurs, vraiment des très, très belles couleurs. Et surtout, regardez beaucoup cette vidéo parce que c'est par rapport à cette vidéo que vous allez tous mettre hashtag. Voilà, si vous mettez hashtag telle personne, et voilà, comme moi, je mets hashtag bizarre, comme je sais pas si tu es Halem, tu mets hashtag Halem, voilà, tout ce qui sont au Niger, parce que c'est au Niger que ça va se passer. Et voilà, donc du coup, vous mettez un peu de trucs comme ça. Et moi, je vais sélectionner tout ce qui ont mis hashtag et tout, et tout, et tout. Et je vais vous envoyer mon invitation, voilà. Et du coup, on va passer un très bon moment. Et vous allez partir avec vraiment des maquillages de ouf. Vous voyez? Qui est dans ce moment. Et ça, c'est un maquillage de ouf. Donc voilà, mes amours. Moi, je vais manger un peu. Ah, ça a l'air bon. Hein? C'est du melon, en fait. C'est très bon. Ouais. Je vais manger ça tout à l'heure. Alors, je voulais faire juste un petit coucou. Tu sais, ça fait longtemps que je fais une vidéo, ma chérie. Ça fait longtemps que je fais une vidéo. Donc, le vendredi, en fait, j'ai promis, voilà, à mes amours de faire une vidéo avant de faire une autre au Niger où je vais la partager avec, voilà, où je vais la partager avec beaucoup de Nigériennes et on va passer un bon moment. Donc, voilà, surtout, surtout, ne soyez pas radines, les filles, partagez les vidéos. Bis à Marseille, vraiment partagez au maximum. Et si vous avez une amie, par exemple, à qui vous avez envoyé le partage,
Dites-lui quand elle met hashtag son nom ou son prénom, qu'elle met hashtag votre prénom. Par exemple, si vous appelez Mariam, qu'elle s'appelle, je sais pas, Khadija, voilà. Donc, elle met hashtag Mariam, hashtag Khadija. Donc, du coup, je sais que c'est à cause de Khadija que Mariam, c'est, voilà, c'est abonné. Surtout, pas liker, mais surtout abonné. C'est surtout ceux qui vont s'abonner à la vidéo. À ma chaîne surtout, ben, voilà. C'est une vidéo un peu brouillon que je fais avec tout ce que je viens d'avaler là sur la table là. Donc du coup, inutile de vous dire que c'est un peu brouillon ce que j'ai fait. Mais voilà, ça me fait du bien de vous retrouver. Et ben voilà, on va essayer vraiment de faire pareil de mon retour du Niger. On va essayer de faire pareil en France là, du coup. Donc, quand tout ira bien, on va essayer d'organiser la même chose et voilà, et repartir avec des beaux cadeaux. Donc, voilà, j'ai voulu le faire, mais bon, ces derniers temps, ça n'a pas été facile, très, très, trop occupé. La santé, c'était pas trop ça. Et surtout, il y a Alem qui est en voyage, que j'attends depuis pour avoir plus de maquillage. Donc, du coup, voilà. Et à mon retour, on verra tout ça ensemble. Allez, je vous dis que je vous aime très très fort. N'oubliez pas de liker la vidéo, hashtag, vraiment, partagez avec vos amis. Ça ne coûte rien, c'est gratos et ça va nous permettre vraiment d'agrandir la chaîne parce que vraiment, sachez que je ne sais pas hein, s'il y a d'autres filles nigériennes qui sont à Marseille. Ça me fera beaucoup plaisir de le savoir, qui font YouTube maquillage parce que ça allait nous faire vraiment un duo de ouf. Mais comme je n'en connais pas, je pense que je suis la seule. Donc voilà, mes sœurs nigériennes, ne m'abandonnez pas. Surtout que je viens vers vous. Quoi de mieux? Allez, je vous dis que je vous aime très très fort. C'était Bissa à Marseille. Likez la vidéo et surtout abonnez-vous. Hashtag votre prénom ou hashtag, vous pouvez vous donner, je sais pas, un surnom, un autre, comme vous voulez, mettez hashtag et voilà. Si je vois la personne, hashtag avec le nom ou le surnom ou le prénom ou tout de la personne, plus je vois, plus je sais de qui il s'agit. Et du coup, on va passer vraiment un très très bon moment à Niamey au Niger. Mais pour l'instant, on est à Marseille et je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop content qu'il sache quand je dis à Niamey, parce que je vais un peu m'éloigner de lui, il n'est pas content du tout. Mais bon, bref, ainsi fait la vie. Souvent, il faut aller voir, hein, il faut aller voyager, voir les parents, hein, c'est important souvent. Voilà, donc du coup là, je vais finir de manger ce bon melon là qui m'attend et après voilà. J'ai la table encore qui est pleine, mais bon, le 20h quoi, 20h et quelques, je vais, heureusement que je vais prendre maintenant du fruit parce que sinon, bienvenue le poids. Hein. Allez mes amours, je vous aime très très fort, bisous de moi.